de cette Coupe du Monde de kickball est très serré et le public est en transe. Le silence s'installe sur l'arrière-cour. Le génial lanceur Koubi prend son souffle et... Je crois qu'il nous faut un terrain plus grand. Et moi, il me faut un autre déjeuner. Ouais! Toutes les équipes la veulent dans la leur car elle est un incroyable buteur. On a vraiment besoin d'un terrain de jeu plus grand. Quelque part où je pourrais tirer à des kilomètres. Mia doit peut-être jouer contre des joueurs de son niveau. Pas vrai? On pourrait jouer contre les trois petits cochons. Ils ont la meilleure équipe de tout Fairyland. Super idée! T'inquiète pas, Eddie. On va apporter un pique-nique. On pourra avoir tes sandwichs à la confiture et au beurre de cacahuète. Bien sûr! Hey, on part à l'aventure. Tu peux monter à bord. Une super spéciale aventure. Chante avec nous d'abord. Chante avec nous. 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 Hey, hey, on part à l'aventure. Et on est trop extra content. Tous au galop. Aventure go. Que tout le monde fonce devant. Copains, attendez-moi! Hé, regardez! Waouh! Wow. Oh ouais! C'est exactement l'endroit qu'il nous faut. Alors on prépare tout pour pouvoir pique-niquer juste après le match, ok? Ouais, on sera vraiment affamés. Je vais aider à Sophie à faire les sandwichs. Nous, on s'occupe des chaises. Il faut installer le parasol pour être à l'ombre. Mia, tu peux installer le parasol? Quoi? Oh, oui, d'accord. Mais c'est pas un parasol, ça, Mia. Oh, mais c'est facile, le parasol. Moi, je dois m'entraîner avec mon méga Mia coup de pied avant que les trois petits cochons n'arrivent. Oh! Oh. Oh. C'est prêt. C'est prêt. C'est prêt. Eddie toujours prêt veut jouer au kickball. Ouais, allons-y. Tout le monde est prêt? Plus qu'à installer les bases. Et à s'échauffer un peu. Mais le parasol n'est toujours pas installé. Les sandwichs vont devenir tout mous s'ils restent au soleil. Mia! Oh, c'est vrai. Le parasol. Yeah! Hourra! Commencez pas sans moi! Jack et Jill sur la colline allaient chercher un seau d'eau. Aha! Jack tomba, sa couronne cassa et Jill s'effondra aussitôt. Hé! Bonjour! Oh! C'est une princesse de conte de fées! Comment pouvons-nous vous servir, votre majesté? J'espérais que vous me le demandiez. Pourriez-vous installer le parasol au-dessus de la table du pique-nique pour que je puisse faire des trucs de princesse? Comme jouer au kickball. Vos désirs sont des ordres, votre Altesse. Nous adorons installer les parasols pour les pique-niques. Les parasols pour les pique-niques sont ceux que je préfère au monde. Juste une petite question. C'est quoi un parasol pour pique-nique? C'est
ça. Et que doit-on faire avec ça exactement? C'est facile, vous allez vous débrouiller. Merci, je dois filer. Vérifie que je n'ai rien fêlé. Oh non, ça va. Pourquoi tu portes cette tenue? Je joue toujours habillée comme ça. Tu as pu installer le parasol sans problème? C'est réglé. Oh, les trois petits cochons arrivent. Avec leurs deux énormes cousins. Maintenant, on joue au kickball. Psst, princesse. J'ai oublié quelque chose. Je reviens tout de suite, attendez-moi. C'est en train de m'engloutir. Les parasols n'engloutissent pas. Voilà. Toujours entier. Ces choses sont très dangereuses. Mais c'est juste un parasol. Vous devez juste l'ouvrir et le mettre là, au milieu de la table. Donc, salut. Oups. Oh, je suis encore en train de me faire engloutir. Zut, zut et re-zut. Ils ont commencé sans moi. Petit, attrape-le. Oh, je l'ai eu, votre majesté. Plutôt, il t'a eu. Attrape-le. T'es passé où? Ouais, tu nous as manqué pendant le match. Ben, je... Et où est le para? Sol. On a réussi, on a réussi. Le parasol est au-dessus de la table. Mon déjeuner. Oh, je me sens tout mouillé. Je leur ai juste demandé de m'aider. Bon, en fait, je leur ai demandé de le faire pour moi. Ça n'a pas l'air d'avoir trop marché. Non, je suis désolée. J'aurais dû le faire moi-même. Mais j'avais tellement hâte de jouer au kickball. Et maintenant, ils ont tout gâché. Ok, c'est moi qui ai tout gâché. Bon, on peut peut-être tout dégâcher. Ouais, on est une équipe après tout. Pour de vrai, merci les amis. Je m'en occupe, votre majesté. Non. Pardon, merci, mais je peux le faire moi-même. Comme je l'avais promis. Ouais. Mais comment fait-elle? Allez, tout le monde à table. Ah, j'arrive pas à croire que j'ai raté le match. Vous avez gagné? On a perdu. Ils nous ont éclatés. Ouais, ces cochons sont pas des rigolos. Mais après le déjeuner, on va jouer la revanche. Et on va avoir besoin de Mia et de son méga coup de pied. D'accord. Ouais. Kobe va nous apprendre à faire une pyramide. Alors, le secret de la pyramide, c'est que tout le monde, chacun de nous, a un rôle à jouer. Vous avez bien compris? Vous êtes prêts? Oui. Bon, Eddie, Sophie et moi, on va faire la base et Mia et Tessa se mettront au-dessus.
T'oublies pas, monsieur lapin, hein? Waouh, on a réussi! Mais oui, il faut juste qu'on reste calme et proche, les uns des autres. Va-t'en, l'abeille Zou, par d'ici. Oh, wow, non, Bobby, non.